représenter HP en général. Bon, aujourd'hui, HP est le numéro un mondial en informatique en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est la boîte informatique qui fait le plus gros chiffre d'affaires au monde, grâce entre autres à un portefeuille très très varié. Hein, disons que chaque personne sur cette planète a dû voir un jour ou l'autre un produit HP, que ce soit un PC, une imprimante ou des équipements entreprises, qui sont eux distribués, les produits entreprises, sur 4 ou 5 axes où HP est spécialisé. Wahedmenom les serveurs, un grand axe, et on a aussi fait il y a quelques mois un grand événement là-dessus. Un deuxième axe est effectivement le stockage, et je vous parlerai de ça tout à l'heure. Un autre axe, on voit le réseau, tout ce qui est networking. Et puis il y a une grosse offre autour de tout ce qui est service rattaché à ce type de matériel. L'événement à l'Égypte, c'était un événement pour lancer la nouvelle gamme de produits de stockage HP. C'était spécial parce qu'on passe au-delà du simple lancement d'une gamme de produits. C'est carrément une révolution qui se fait en termes de stockage. Les origines, elles remontent à il y a 2-3 ans, où HP a racheté une boîte qui s'appelle 3PAR, donc spécialisée dans le stockage virtualisé natif, où HP était déjà un gros acteur dans le domaine du stockage. Avec l'acquisition de 3PAR, et avec les 2-3 années qui sont donc passées, on a eu le temps en tant que constructeur de revoir l'offre, de revoir les produits et de lancer cette nouvelle gamme qui va carrément, je le dis, qui va révolutionner le stockage. Pour la première fois, il y a une offre homogène qui démarre, en tout cas pour les entreprises, clairement c'est une offre entreprise, qui démarre avec des budgets et des capacités intéressantes, avec des budgets très, très limités, mais où la capacité d'évolution en termes de capacité, de fonctionnalité, est quasiment illimitée. Donc, pour une entreprise moyenne, et je rappelle que les données aujourd'hui, les data, sont devenues le nerf de la guerre, hein, que ce soit dans le domaine dans les médias, que ce soit dans l'industrie, dans les télécoms, dans les finances, partout, la quantité de données, de data que l'utilisateur a besoin de produire, de développer et de stocker, ça va d'une manière exponentielle. Hein. Et donc jusqu'à très, très récemment, le coût de stockage, l'acquisition de matériel pour stocker ce genre de données, il était excessivement cher. Et surtout, il était très fragmenté en termes de gamme. Dès le départ, vous deviez vous décider, est-ce que je pars sur une offre entrée de gamme, moyenne ou la haute gamme. Et clairement, si vous avez des capacités d'extension importantes, vous deviez quand même partir avec un départ, au départ très peu de données, vous deviez quand même partir sur une offre haute gamme. Elle est le ticket d'entrée fait à Rally Barsha. Rally Barsha, pour être plus factuel, c'est 200-300 millions pour du matériel haut de gamme presque vide en termes de capacité. Ce que HP propose aujourd'hui, c'est justement des baies de stockage avec une extensibilité quasi illimitée, je me dis, selon le besoin, avec un ticket d'entrée qui démarre autour de 60-70 000 dinars. C'est un changement majeur, c'est un événement majeur. À la khatr, personne d'autre sur le marché n'offre ça. On est très, très fier, en tout cas en tant que HP, de pouvoir lancer cette gamme en même temps que partout dans le monde. D'ailleurs, c'est l'avantage qu'on a en ayant une multinationale d'une puissance pareille, c'est de pouvoir justement lancer, déployer nos produits et services partout dans le monde en même temps. Voilà, c'était grosso modo l'idée. Ça va dans le sens donc de l'économie pour les entreprises clientes,
Ça va aussi dans le sens de la modernité technologique. Ça permet de consolider, de virtualiser. Enfin, l'informatique, lorsque je parle de consolidation, de virtualisation, c'est fait d'une manière native sur ce genre de matériel HP. Et donc voilà, on était très fiers de pouvoir présenter cette gamme de produits, de pouvoir en parler. J'ai tout bahdan un tout, donc je suis content. Et puis, je suis certain que ça aura un impact important sur le marché. Et justement, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, on a l'impression, Sarah, et en fait, l'informatique disparaît de plus en plus, c'est-à-dire les postes sont remplacés par des tablettes. Est-ce qu'on va vers une dématérialisation justement de toutes ces données-là au niveau du cloud, au niveau de tout ce que vous venez d'expliquer? Non, je ne dirais pas que ça disparaît, je dirais que ça se transforme, ça évolue. Le rythme de l'évolution de l'informatique, il est plus rapide que dans d'autres industries, c'est probablement vrai. Mais ça va dans un sens qui est tout à fait logique. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de clients dans le monde. Lorsqu'on parle du nombre des personnes qui ont accès à Internet dans le monde, on parle de plusieurs milliards, probablement la moitié de la population du monde. Donc du coup, on ne pouvait plus, l'informatique se devait de suivre le rythme avec l'évolution. C'est les gros innovateurs, disons, qui FHP, qui pourront suivre le rythme et créer le rythme, en fait. Donc vous avez parlé de cloud, effectivement aujourd'hui HP est un leader mondial sur le cloud. Vous avez parlé de tablettes. HP vient de lancer le premier tablette entreprise au monde. Vous connaissez probablement d'autres tablettes très orientées usage personnel. HP vient de lancer un tablette, le premier tablette entreprise au monde, où vous avez des fonctionnalités sur mesure pour les entreprises, pour l'utilisation dans l'entreprise. Parmi d'autres. Non, l'informatique ne disparaît pas, l'informatique est en train d'évoluer. Le type de service ou de produits vendus est en train d'évoluer. En tout cas, on estime chez HP qu'il est de notre devoir en tant que leader mondial de créer la tendance aussi. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Mais justement, derrière ce logo HP, derrière cette marque-là, en Tunisie, il y a des hommes et des femmes. Oui. Si vous nous parlez justement de la partie tunisienne, qui se cache justement derrière HP en Tunisie? Il y a une équipe, une grosse équipe de 600 personnes, Fitounes quand même, parce qu'on est... Fitounes, la présence mtana, elle n'est pas limitée au marché tunisien ou libyen. Elle va au-delà, puisque Fitounes a un grand centre de support mondial, qui délivre les services pour tous les clients francophones du monde et même quelques clients en langue espagnole, italienne, etc. Les hommes et les femmes, oui, et d'ailleurs je les salue directement parce que c'est la vraie richesse d'HP. On est dans un business, dans un monde où c'est effectivement l'équipe, les hommes et les femmes qui créent la différence. On n'est pas dans une exploitation minière, clairement dans un secteur où la créativité, l'invention crée la différence et c'est ça qui change tout en fait. Et donc Fitounes lehna on a une grande équipe divisée en plusieurs équipes. Il y a une équipe qui s'occupe du business chez Tunis ou une autre qui aide un petit peu notre nouvelle présence en Libye parce qu'on est en train d'ouvrir ZDF Libye. Et puis FAM a une très grosse équipe qui s'occupe du support mondial. On a une équipe, je suis très fier d'être à la tête d'une équipe pareille parce que ils sont ambitieux, ils sont intelligents, c'est des personnes
où j'ai un grand plaisir hein, à les côtoyer, à les diriger. Et donc, on est situé, puis un grand immeuble HP, disons. Et je pense que même sur site, nous avons une culture et une identité unique qui est à 100% mappée sur la culture HP dans le monde, qui est une culture spéciale, qui est une culture très connue, hein, comme The HP Way, qui est un mode d'opération très connu. Et puis, je pense aller en tout cas avec Mouchelkoul, une écrasante majorité sont très fiers de travailler pour HP exactement comme moi. Voilà. Donc les perspectives de HP en Tunisie d'abord et au niveau international après. Bon, Benesbel Tunis, clairement on est dans le business, hein, que ce soit entreprise ou particulier. C'est étroitement lié à ce qui se passe fi bled na psi fam, donc on ne peut pas être déconnecté. Lorsque le bled elle vit des difficultés, clairement le business ne va pas trop fort. Lorsque le travail est tassen, ils sont plus aptes, plus disposés, disons, à investir dans la technologie. Je suis optimiste de nature, donc je pense que l'Ibled est passé par une période difficile, que ce n'est pas encore fini, mais je suis sûr à 100%, on va s'en sortir, le résultat sera bon. Je pense que l'Ibled a tous les atouts pour réussir. Si on pensait que ce qu'a entrepris le peuple tunisien il y a 2 ans allait se passer d'une manière beaucoup plus simple, etc., c'était pas sérieux. Il fallait s'attendre à nous. Ça a du sens, ce mot machad, parce que justement c'est une opération qui n'est pas simple du tout. Mais je suis optimiste et je pense que le jour où les institutions et les choses que le peuple tunisien est en train d'instaurer dans le sens de la démocratie, dans le sens de la modernité, lorsque ce sera mis en place, je pense à l'île Tunis Mechtoul, il y a un grand pôle économique dans toute la région, j'en suis certain. Dans le monde pour HP, clairement l'objectif de notre société, c'est de maintenir et d'accentuer son leadership mondial. On a eu sur l'année écoulée, juste avant, un plan rigoureux, ambitieux, mis en place par notre PDG, Meg Whitman, et qui s'articule au fait autour de l'innovation. Donc HP, d'ailleurs, Barchanès, il y a fois le logo l'Aqdim Dan, HP Invent, hein, parce qu'on est une boîte d'innovation, d'invention. Et Chariketna a décidé de réinvestir des milliards de dollars dans l'innovation, dans des axes technologiques tels que le cloud, tels que la mobilité, tels que, enfin, tout ce qui intéresse aujourd'hui les consommateurs, voilà, les clients, que ce soit particuliers ou entreprises. Chariketna a commencé à surmonter d'une manière spectaculaire la crise économique mondiale. Hein, depuis 2008, ça ne va pas très fort, hein, l'économie mondiale. Pour d'autres raisons certes, mais bon, il y a une crise quand même. Mais je pense que la reprise est là, les signes sont forts, et bon, d'ici quelques temps, en tout cas je ne suis pas du tout inquiet quant à l'évolution des choses. Des hauts et des bas, c'est normal, l'économie mondiale elle baisse, elle remonte, c'est des choses normales. Au Benes Belchalikot, je suis absolument certain qu'on sera là en tant que leader et encore plus fort qu'avant. Je n'ai aucun doute là-dessus. Merci beaucoup.